Marwan est orphelin. Il a eu un accident de moto. بارك فيك. وحسب التحريات الأولية يبدو أن السائق لم ينتبه إلى الأشغال الجارية على الطريق إذ فقد التحكم في دراجته. كيفاش ما تحكمش في الموتور؟ استنتاجه برا يا وطفينا تفهمت ولا؟ نبى عليكم قرى ما تدخلش داري وأنا ما خليكش تدفن كأنه كافر وإلا غريب قوم مازالت عندنا تقاليد في العائلة. Il y a certes un affolement dans le monde moderne, de la jeunesse d'aujourd'hui, où qu'elle soit. De l'autre côté de la Méditerranée, de ce côté-ci, et qui l'expose, qui la rend vulnérable, qui la fragilise, et qui, devient un peu une proie facile pour les extrémismes de tous bords, qui jouent sur une faille qu'on identifie assez facilement, qui est celle du déracinement, qui est celle de la perte d'identité. Et il est assez facile de culpabiliser un jeune sur sa perte d'identité. Après la révolution en Tunisie, les éléments constitutifs de l'intrigue sont apparus sur la scène tunisienne. تعرفوا مليح مروان؟ هوني جيران الكل يعرفوا بعضها. مروان قرا المانوسكريبت. استنى. وقت اللي دخلت له سبني. قال لي ماكش امي. شفت وجهها؟ ما عرفتوش. اما كسرت راسها بالبكاء. كيما قريته مثلا. علاش طردوها؟ لقيت جواب من البوزار. لازم تحكي مع سهام. شكون هذه؟ طفلة اللي تعدى عليها. ساعة كانوا صحاب ما يتفرقوش. C'est évident. Je pense que ce que cette jeunesse a reçu en héritage ne fait pas le poids face à la propagande. Et je pense que ce garçon est tombé dans ce piège. Voilà quelqu'un qui a reçu une éducation quasi exemplaire, quoi, avec un père musulman, mais ouvert, tolérant, moderne. Et une maman laïque, militante des droits de l'homme, etc. Il y a un conflit de génération parce qu'aujourd'hui aussi, les choses changent très très vite et aussi dans le monde arabe. La jeunesse est intenable. La jeunesse est très, très étonnante, très vivante, et il y a beaucoup de jeunes dans le monde arabe. On entend beaucoup plus les jeunes aujourd'hui. Les jeunes, c'est eux qui s'expriment, c'est eux qui chantent, c'est eux qui dansent, c'est eux qui réinstallent un nouvel ordre. Et ça commence à plaire plus ou moins à cette ancienne génération. Il y a un souffle nouveau dans le cinéma tunisien. Ça incite à l'optimisme. Je veux dire, on n'a plus la censure telle qu'elle se pratiquait avant, mais il y a des sujets qui pourraient à la limite passer l'obstacle de la censure, mais ils ne passeraient pas celui de la censure populaire. Fatwa a un écho très important dans les pays arabes où je l'ai présenté, parce que c'est un film qui, d'un certain point de vue, reste consensuel. Les gens se reconnaissent dans le film parce qu'ils savent bien ce que veut dire l'islam modéré, l'islam tolérant, l'islam héréditaire, pris pour cible par des obscurantistes qui veulent vraiment islamiser la Tunisie ou les pays musulmans à la façon de l'Arabie Saoudite. J'ai vu la prestation de Ralia Ben Ali dans « À peine j'ouvre les yeux » et vraiment là, sa prestation m'a convaincu. Elle a une fibre citoyenne qui est très, très sensible. Et donc, dans ces cas-là, il faut savoir parler aux personnes pour savoir quoi convoquer chez elles, de manière à les vraiment mobiliser pour un personnage. Pour moi, c'était surtout passer du temps avec Mahmoud. Quel que soit le rôle que je dois jouer, quelles que puissent être les difficultés, est-ce que je suis à la hauteur de ça? Je ne me suis même pas posé ces questions. Je me suis dit, c'est passer du temps avec
un être exceptionnel, pas en tant que réalisateur seulement, en tant qu'historien, en tant que conteur, en tant que toute cette culture qu'il a, toute cette connaissance qu'il a de l'histoire, de notre histoire, de Tunisie, qu'il lit tout le temps avec le reste du monde, avec le reste des autres cultures et tout ça. Pour moi, c'était passer du temps à manger avec lui, boire un verre avec lui, discuter, travailler. Tout ça, c'était vraiment, c'était ça qui m'intéressait. Beaucoup dans cette rencontre-là. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.